On a fait avec ce qu'on a, la mémoire archivée, les lieux aimés et leur lumière, les paysages de Cézanne, le peintre qui aimait à remettre 100 fois son ouvrage sur le chevalet. On a essayé d'assembler par attraction, hors des chemins rebattus, des docteurs en scénario, le local, le privé, le familial avec le collectif. L'histoire des hommes et des femmes de cette décennie, avec l'histoire de mes proches, de mes films et de mes passages par le médium télévisuel. On a construit, sur notre bande montage up-to-date, un espace virtuel, faisant fi de la chronologie, articulant et rapprochant des thèmes, des sentiments et des intuitions qui m'occupent dans ce dernier quart de ma vie. Le cinéma, mon beau souci, a servi à cela, à démêler les nœuds de ce parcours du vivant. La nostalgie du déjà vu, du déjà vécu, est, j'en suis convaincu, une compagne indispensable sur les chemins du présent. Le temps passé et la mélancolie qui s'y attache sont derrière moi. Les jeux sont faits. Je peux revenir me frotter à l'animalité solitaire de notre chatte Laïka, qui se fait âgée, elle aussi. Je me sens désormais plus léger, sur une route dont l'horizon se charge des nuages hostiles.